Bonsoir les amis du web. Ce soir, un petit unboxing et quelques nouveautés qui ont pu passer malgré la crise sanitaire, puisque je vous avais expliqué que les délais de livraison étaient pas mal retardés en ce moment et j'ai enfin réussi de chez Waxwork parce que vous avez sans doute reconnu l'emballage classique de Waxwork Records USA des États-Unis où j'ai reçu en unboxing. On va tout de suite ouvrir une petite surprise. Voilà, petite surprise. Excusez-moi, mais c'était un peu costaud. Voilà, donc. On va ouvrir ça, hop, emballé. Et voilà, enfin je l'ai eu, le fameux Edward Scissorhands, Edward aux mains d'argent, donc BO composé par Danny Elfman en 1990. Voilà, donc formidable, je suis bien content, on va l'ouvrir, donc édition limitée qui est déjà sold out parce que chez Waxwork, je vous ai expliqué. Quand ils commencent à mettre sold out, en fait, ça veut dire que c'est pas complètement sold out. Ils font le point sur leurs commandes. Ils voient combien il leur en reste pour les échanges. Ils voient aussi il va y avoir de commandes qui vont être annulées ou pas, qui vont aboutir. Et ensuite, les exemplaires qui leur restent, ils les remettent en vente quelques jours après le sold out. Et vous avez des chances de le ravoir pendant quelques temps. Et là, de nouveau, il est définitivement sold out. Donc là, on aura. Plus. Donc, sold out définitivement sur Waxwork. On peut l'avoir également sur eBay ou sur Discogs. Donc, je vous avais présenté d'abord cette réédition donc du film de Tim Burton, donc de 1990, avec Johnny Depp, hein, voilà, qui joue également dans La Chocolaterie. Musique de Danny Elfman, 1990. Ça, c'est la réédition, puisque l'édition originale en vinyle vaut une petite fortune. Alors ça, je vous l'avais déjà présenté. Je ne vais pas aller plus loin. On va ouvrir sans plus attendre cet exemplaire-là. Il s'agit d'un gatefold. Il s'agit d'un gatefold. Alors, n'ayons pas peur des mots, comme on dit. Hop. Regardez le sticker. Je n'avais pas mon cutter ici, mais non. C'est pas bien grave. Je regarde si le cutter, pardon, si le sticker s'en va bien. Donc, tac, tac, tac. On verra après. Pour le sticker, je vois que c'est un peu retardé. Oh, voilà. Donc, très belle édition, vous voyez, satinée, jolie avec le score. Apparemment, c'est le même score. Hein. Je vais comparer avec. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 morceaux. Là, on en a 9, 9, 10, c'est ça. On en a un de plus. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, on a un morceau de plus. With This Hands performed by Tom Jones. Je pense qu'il y a un morceau supplémentaire ici. On voit ici. Par rapport à l'édition, la réédition originale, dirons-nous. On va bien aller. Le score, voilà. Et évidemment, à l'intérieur, ceux qui ont vu le film, ça je l'ai vu maintes et maintes fois. Donc, Edouard aux mains d'argent qui va admirablement bien tailler les bosquets des habitants du lotissement de la ville dont il est voisin. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, un seul disque, hein. Un seul disque, donc 17 morceaux. Je vérifie quand même, il n'y a donc qu'un seul vinyle. Donc voilà, très joli disque splatter, on se croirait sous la neige. Ah, très joli macaron aussi. J'ai failli échapper. Très joli disque donc.
Et puis très bonne musique. Hein. Je crois qu'elle a été primée maintes fois et récompensée. C'est un peu le bâton de maréchal de Danny Elfman, cette VO. Alors évidemment, à l'intérieur, on est toujours gratifié d'un petit supplément, une petite leaflette. Cartonné, donc belle facture. Et vraiment un carton très épais, très lourd. Belle fabrication, beau pressage. Donc je vous montre. Voilà ce qu'on pouvait lire sur ce pressage. Ne pas perdre le macaron, le sticker, pardon. Le macaron, il risque pas de se sauver. Voilà. Et ça, on va récupérer après. Ensuite, je vais profiter de cet unboxing pour vous présenter le premier volet des deux disques. Je vous avais présenté le deuxième disque, c'est-à-dire The Avengers Infinity Wars. Donc, je vous avais présenté le deuxième tome. Là, il s'agit du premier qui a mis du temps parce qu'il était sold out. Enfin, les deux sont sold out maintenant en édition colorée limitée. Donc, The Avengers de Alan Silvestri pour la BO. Et The Avengers Infinity War, ça devait être en 2018. Voilà. Je vous ai présenté le pitcher disc. Alors, voyons, voyons. Comment on va pouvoir ouvrir ça? J'ai pas mon cutter. Alors, je l'utilise. Le système D. Voilà. Bon, il n'y a pas de sticker, donc on peut y aller. On peut y aller, franc jeu. Alors, le deuxième volume. The Avengers, donc le deuxième disque que je vous ai donc présenté, vraiment une BO prodigieuse. J'ai été agréablement surpris. C'est vraiment une excellente, excellente BO. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Donc voilà le score. Le score étendu, évidemment. Trois disques, un trifold. Trifold, et vous avez à l'intérieur une superbe. Super. Donc volume 1 correspond au film de 2018, Infinity War, dont je vous avais présenté le pitcher disc. Voilà, donc très très belle pochette. Hein. C'est hallucinant. Ça c'est chez Mondo. Hein. Mondo, vous le reconnaissez ici. Mondo. Mondo Music, Mondo Records, USA aussi. Avec, mais là, je ne l'ai pas eu par Mondo, c'est pour ça que j'ai eu par Zavi. C'est une édition exclusivité qui était soldée chez Zavi. Et donc une édition colorée exclusive de chez Zavi et qui n'était pas disponible sur le site de chez Mondo. Et on ne paye pas de transport ni de frais de douane. Voilà, par contre, il a mis quand même 3 mois à arriver. Faut pas être pressé. Voilà. Enfin, disons mi-novembre, décembre, ouais, 2 mois, 2 mois. Donc, premier disque rouge, très beau, du 180 grammes. Alors, je vous ai dit, le premier disque, en fait, le deuxième volume, donc, deuxième tome, vraiment une BO prodigieusement extraordinaire. Avengers, je vous conseille de l'acheter en édition black si vous la trouvez pas, peu importe, parce que là, vraiment, ça vaut le coup. Je ne sais pas trop ce que vaut celui-ci. Bon, sur le pitcher disc, la qualité sonore n'était pas top. Et en plus, les extraits choisis étaient plutôt très rondondants, très forts. C'était pas terrible. Bon, là, on verra bien. Voilà, donc aussi. Donc, un jaune citron. Très joli jaune citron d'ailleurs. Avec un petit peu fumé. Comme bouteille, un petit peu un jaune bouteille, je sais pas, c'est vraiment joli, très très joli. Voilà, et à l'intérieur, on doit avoir comme fait chez Waxwork et aussi Mondo. Voilà, il y a toujours une petite leaflette qui est là. Voilà, donc hop. Donc les deux sont malheureusement sold out et ils étaient à moitié prix parce que j'ai vu qu'ils faisaient 60. Alors c'était trop cher pour moi.
Enfin, c'est pas que je pourrais pas les acheter, mais je trouve que c'est stupide d'acheter 65 € un disque comme ça. Et quand vous l'achetez 35 €, voilà, 35, 40 €, je me souviens plus exactement. Bon, c'est la limite, ça va. Mais si c'est pour mettre 65 € par disque, là, ça devient une folie. Voilà. Donc, ce que je pouvais dire sur ces éditions. Et je crois que de ce côté-là aussi, ça se déplie. Mais certaines... Ouais, ça, je voulais montrer. Voilà. Je reconnais ça. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire des BO. Alors, tant qu'à faire, j'ai reçu le deuxième album des Fine Young Cannibals avec le fameux morceau She Drives Me Crazy. Hein. C'est pas l'album où il y a Johnny Come Home, mais c'est She Drives Me Crazy. Donc le deuxième album des Fine Young Cannibals, donc groupe New Wave. Évidemment, New Wave, on a tendance à. Ça sert un peu de fourre-tout parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Au départ, la New Wave, c'était uniquement de la musique punk. Et puis, mais en fait, la musique punk, c'était surtout une musique un peu métal et contestatrice ou contestataire à la base. Et qui a existé surtout entre 1975, 76, 77. Les Sex Pistols, par exemple, en sont l'illustration. Donc musique punk. Puis après, on s'est dirigé à partir de 78, 79, 80, on s'est dirigé vers de la musique post-punk cold wave avec l'apparition des synthétiseurs et certaines rythmiques punk, mais beaucoup de synthétiseurs assez froids, style Joy Division. Et ensuite, on a eu la New Wave vraiment stricto sensu, où là, il y a eu vraiment une fusion des genres, où on avait de l'électro-disco pop. Vous avez comme base caractéristique de cette New Wave qui sert de fourre-tout, vous avez des fois une musique tribale, vous avez du disco, c'est-à-dire de la grosse caisse, de la basse, de la guitare basse et du synthétiseur, voilà. Et des remix club, donc musique assez commerciale, mais quand même également recherchée et qui correspond à l'apogée du maxi 45 tours, c'est-à-dire 1980, 85, voire 87, puisque cette New Wave, on peut dire plus commerciale, électro-disco-pop, donc qui en fait fusionne tous les genres. Vous pouvez avoir du pop, du rock, du reggae, de la cold wave, du punk dedans, du rock, de tout. Et un mélange, et aussi du reggae, donc des rythmes tribales. Enfin, un petit peu de tout. Donc, c'est un peu la fusion des genres. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et eux en font partie de cette New Wave au sens large. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. Et voilà. Vous voyez, ça se passe bien, hein, comme ça, la façon d'ouvrir les gatefolds. Même les gatefolds. Alors, donc l'album, je crois qu'il était de 86, celui-ci, si mes souvenirs sont bons. Là, on a 2020. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? 1989. Marqué 89. 89. 89. 86. Voilà. Donc en fait, c'est pour les 30 anniversaires. Donc anniversaire edition pour les 30 les 30 ans 35 ans hein. À mon avis, c'est pour les 35 ans ça. Voilà, anniversaire pour les 35 ans. Donc vous avez toute la playlist. Donc là, j'ai un petit peu un trou, j'hésite entre 86 et 88 en fait. On va peut-être avoir davantage de renseignements. Quand même un petit peu. Alors, chez London Records, à l'origine. Je découvre un petit peu ces disques avec vous. Hein. C'est pour ça que. Fanny, She Drives Me Crazy.
cherche toujours la date, mais. Donc, joli. Sous pochette, vous avez pas mal de crédits. Et c'est une édition limitée blanche. Voilà. C'est bizarre quand même qu'ils ne mettent pas le copyright d'origine. Voilà, il y a 2020. Ah, j'ai un trou, je ne sais plus si c'est 88 ou 86. De toute façon, tous les renseignements, je vous les mets dans dans le descriptif de la vidéo. Et là, je rectifie le tir si des fois j'ai dit une bêtise ou un renseignement incomplet. Voilà, donc tout ce que je pouvais dire. Il y a pas mal de crédits. Hein. David Z, Gavin Wright, Hélène Von Vers, etc. David Steele. Ah, disons, il y a un paquet de gens qui sont mis, c'est incroyable. Ils ont mis tout, 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 c'est absolument hallucinant. Je vous montre tout ce qu'il y a là. Tous les gens qui s'y sont mis là, c'est vraiment incroyable. Voilà. On voit bien le chanteur ici. En fait, je les avais pas ces disques parce que j'étais pas très fan Young Cannibals avec que ce soit l'album donc éponyme Fine Young Cannibals de l'époque. Je crois qu'il était de 84-85 donc ça j'avais pas trop accroché. On l'avait tellement entendu ce tube et mais là finalement en réécoutant, j'ai apprécié le premier et le deuxième album donc de ce groupe. Ensuite, je vous en avais parlé pour un disque donc de ce groupe Shiny to Shiny When the Rain Stops, qui est en fait une compilation New Wave. C'est plutôt de la synth pop, blues synth pop. Un disque américain de 2014 qui compile en fait les tubes arrêtés en 1984 de ce groupe anglais. Hein. Voilà. Shiny to Shiny, je vous l'avais présenté parce que j'avais reçu le disque complètement, la pochette complètement tordue, déchirée, etc. Et finalement, ils ont pu me le renvoyer. Donc, je vais quand même ouvrir, à l'ouvrir pour voir un petit peu l'intérieur. Et je me souviens qu'il y avait, je vous l'avais déjà présenté. Bon, il y a un petit coupon de téléchargement, mais en fait, qui ne marche pas. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Puisque j'en ai deux maintenant, coupons. Si vous avez un petit peu de chance, je vous en fais cadeau. Voilà, vous pouvez essayer, mais à mon avis, l'édition est trop vieille. Donc, c'est le deuxième coupon, puisque j'avais gardé le premier en l'ouvrant. Donc, on voit bien les membres du groupe. Et pochette, vous voyez, pochette papier américaine. Mais très bon pressage, hein, ce que j'avais écouté. Ce qui est dommage, c'est que le disque, tout était bien. Mais même la qualité des enregistrements, le mastering, tout ça, très très bon morceau, surtout ce titre, voilà, Waiting for Us, mais pas seulement, hein. Mais pas seulement, hein. Donc Waiting for Us, le maxi qui a été compilé ici, donc voilà, à peu près là, mais pas seulement, hein. Tout est assez excellent, c'est vraiment dommage parce qu'il n'y en a pas, c'est encore disponible sur le label, ça. Mais bon, peut-être pas pour très longtemps. Hein. C'est quand même un pressage qui date de 2014. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Dommage d'avoir bousillé cette pochette, puisque l'intérieur était très bon. Alors, ils m'ont envoyé un gratuitement Amazon. Sympa. Ensuite, pareil hein, pour System 56. Alors, ça, c'est un groupe américain. Par contre. De Cleveland en Ohio, System 56, donc une compilation 80-82, par là. Donc, et c'est sorti un petit label, hein, Synthetic Shadows Records. Là, ça s'était sorti, si vous voulez l'acheter, sur Captured Records. Voilà, ça. Red Records et là c'est sur Synthetic Shadows Records et on voit le groupe donc pareil plus New Wave mais alors là excellent excellent ça a vraiment du rythme ça fait penser à Sisters of Mercy puisque là c'est pareil j'étais obligé de le rendre il était pas en bon état
Donc j'étais obligé de l'écouter. Donc je l'ai écouté, je l'ai ouvert et il était déjà, de toute façon, il n'était pas dans. Ils étaient vendus uniquement sous un simple plastique, mais ils n'étaient pas scellés à ces disques. Donc j'ai pu l'écouter, le renvoyer et ils m'ont renvoyé un autre exemplaire, décidément. Hein, c'est Amazon en ce moment, c'est la catastrophe. Et en plus, c'est disponible que chez eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait deux disques. Enfin, on a deux disques, trois disques New Wave américains, mais qui sont scellés d'origine. I Am Siam, She Went Pop, unique album du groupe bien électro-disco rock, je dirais, disco pop, et donc rock électronique, avec le morceau She Went Pop dessus. Donc c'est un groupe de New York, et l'album, je crois qu'il était de 82, c'est mes souvenirs, 1985. 85, ouais, ça faisait partie de ma recherche sur 1985. On va l'ouvrir et c'est l'édition originale de chez. On est chez Columbia. On va avoir un super, super macaron. Donc, édition américaine, pressage américain. Vous voyez, je l'ouvre. Depuis 35 ans, il était scellé. Et on a, oui, souvent quand ils mettent les sous-pochettes, ils les cordent comme ça. Donc, on a. Alors toujours pareil, et là on reconnaît l'édition originale. L'édition originale. Ah, la souplesse des disques. Voilà. Oh, très joli macaron. Il n'y aura peut-être pas besoin de nettoyer celui-ci. Voilà, parce que j'en ai un petit peu marre là, de nettoyer tout ça. Très joli macaron américain, Columbia, bon, auquel on est habitué. Et pareil, groupe américain, Max Strom. Alors bon, j'ai pas trouvé davantage de précision. Modern Passion, toujours synth pop électronique, hein, produit par Bob Hughes, écrit par Max Strom. Voilà. Alors on a Max Strom, voice guitar, Jeff Bru, synthétiseur, Tom Magnusson, drums, etc. Bon, voici les titres. Iceland, Modern Passion, A Cry and Whisper, Manka, Night Vision, When Tomorrow Comes. Surtout les premiers titres qui sont les meilleurs. Et voici les membres du groupe. Donc voilà, très bon disque que je vais ouvrir. Alors ça date de 80, 82, hein, si mes souvenirs sont. 82, oui. 82. Et voilà, avec pochette d'origine, sous-pochette d'origine, un petit peu jaunie, mais sympa. Voyez, on a quelques marques, alors je ne sais pas s'il y aura des craquements, pourtant il était scellé, hein. Mais des marques de la pochette, très joli macaron. Et là, pareil, hein, c'est toujours des disques, mais très admirablement bien pressés à l'époque. Pressage américain était vraiment haut de gamme. Bien que ce soit des petits labels, celui-ci c'est qui a pressé ça? Future Records. Future, pardon. Future, oh là là. Future, ouais, dis donc, c'est vraiment écrit. Vous avez vu ça? Faut le lire. Future Records. Voilà. Très bon disque. J'avais écouté sur Discord, c'est sur YouTube. Très bon disque. Et le dernier, donc M Dial, ou Dial M. Voilà, Dial M. Pareil, scellé encore. 1983, chez D&D Records. Tout à fait dans le style New Wave américain. Voilà, New Wave américaine. Hop, on va l'ouvrir et je vais me faire un plaisir de les écouter assez rapidement. Ah, on a même une petite fichette à l'intérieur. Ça, c'est sympa. Il va y avoir des petits renseignements peut-être. Voilà.
produit par Dial M et Jackson Schwartz. Alors Dial M is M Capitan and Mark M. Voilà. Capitan Lead backing vocals. Mark M Electric Guitars. Steve Stepley backing vocals. Voilà. Captain and Mark M. Voilà. Tout ce qu'on pouvait savoir. Pareil, toujours pochette américaine. Quand vous voyez ces angles-là, c'est que vous avez affaire à un apport américain. C'est pour ça que quand j'ai des pochettes qui manquent américaines ou enfin, ces sous-pochettes, quoi, eh bien, j'en ai commandé aux États-Unis. Ils les fabriquent toujours et je les remplace à l'identique. Parce qu'il ne faut pas mettre des pochettes européennes, des sous-pochettes européennes. Aux angles donc vifs, angle droit, faut mieux remettre ces pochettes qui étaient comme ça. Ils sont bien plus pratiques parce que quand vous les mettez dans la sous-pochette, hop, ça rentre plus facilement puisqu'il y a les coins arrondis. Évidemment, fallait y penser. On aurait pu croire qu'au bout de 50 ans ou 40 ans que c'est comme ça aux États-Unis, on aurait pu en prendre de la graine. Eh ben non. Voilà, on continue à nous mettre des pochettes qui ont du mal à rentrer dans les pochettes extérieures. Et même, je vois chez Waxwork et Mando, des fois, on a vraiment du mal à rentrer ces pochettes à angle droit. Voilà, ils auraient gagné à utiliser des pochettes antistatiques, mais à bord rond. Voilà, c'est passionnant tout ça, n'est-ce pas? Voilà, mais j'avais un autre disque, mais ce sera pour la prochaine fois, parce que, voilà, là, c'est plus notre domaine. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Ouais, ça va être passionnant. C'est couvre-feu à 18h pour nous. Je vais poster mes vidéos à 18h maintenant. Au lieu de les mettre à 19h30, je vais les avancer. Celle-ci, je vais la mettre à 18h. Hein. Voilà. Donc, fabuleux. Hein. C'est passionnant tout ça. Bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis je souhaite. La bienvenue à tous les nouveaux abonnés, et Dieu sait si j'en ai des nouveaux, hein, puisqu'on a dépassé les 910 abonnés, le chemin est tout tracé sur les 1000 abonnés. Ça, c'est une belle récompense au bout de 2 ans et demi de carrière de la chaîne. Et puis voilà, tout ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Et après, donc, ce qui va arriver, évidemment. Ce seront plutôt des disques dressage anciens, parce que avec ma sélection que j'ai faite sur Discogs, hein, en faisant vraiment un filtre assez performant, où j'ai retrouvé d'ailleurs avec ce filtre la totalité des disques New Wave que j'avais déjà, eh bien j'ai pu sélectionner à peu près 200-250 groupes différents, et donc disques différents, parce qu'en prenant le meilleur disque de chaque groupe, 250, mais il est certain que j'en ai éliminé une centaine qui étaient purement confidentielles, c'est-à-dire des petits exemplaires, soit non disponibles ou qu'on ne peut pas écouter, ou bon, qui ne sont pas connus, j'ai trouvé nulle part l'endroit pour les écouter sur le net. Ou alors, ils valent une fortune. C'est un petit 45 tours qui vaut 50 euros. J'en ai vu même à 300 euros. Je suis vite sauvé, donc on a des prix fous. Donc, ce sont des éditions un peu confidentielles. Alors, il y en a une centaine qui c'était pas mal. Bon, voilà, on restera là-dessus. À voir. Il y en a 250 vraiment. Donc, pour les années 82, 3, 4, 5, hein, ces années-là. Donc, surtout 3, 4, 5. Et donc, à peu près 250 groupes et disques. Et donc, 100 que j'ai éliminés confidentiels. Et puis, alors, à peu près autant. Autant de choses qui ne me plaisent pas du tout, qui sont mauvaises pour moi, qui sont. Oh là là, il y a eu vraiment des ratés, des choses très commerciales, qui sont classées dans la New Wave, qui ne devraient pas y être, ou qui ont été ratées. Il y a eu vraiment. Qui ont très mal vieilli. Il y a des choses. Alors peut-être ça peut plaire, hein, moi je ne vais pas jeter la pierre. Donc à peu près sur 500-600 groupes, voilà, il y en a, mettons, 200, facilement 200, hein, qui étaient pas terrible du tout, une centaine confidentielle et à peu près 250-300
qui sont à rechercher et acquérir petit à petit. Voilà, j'en ai déjà une centaine hein, au fil des mois sur ces 250. Déjà une centaine, il en restera à peu près entre 100 et 150 à récupérer petit à petit, et notamment hein, plus de la moitié, presque les trois quarts sur rucordsel.de à des prix très corrects. C'est pour ça que c'est assez fabuleux, parce que même si vous avez des fois des petits défauts sur les pochettes ou s'ils sont pas très très propres, ben, vous pouvez les nettoyer avec le procédé de la colle que j'utilise. Et après, une fois que je les enregistre, ils sont nickels. D'ailleurs, je ferai des vidéos sur les enregistrements sur CD. Ce que j'ai gravé, donc j'ai commencé à graver les disques que j'ai nettoyés de chez Rickenzell. Vous pouvez voir déjà un petit peu ce que ça peut donner. Voyez, donc je les ai déjà mis dans des sous-pochettes. Voyez, antistatique. Voyez, tout est déjà tout recyclé. Les disques nickel. Voilà, donc tout ça. Un avant-goût, les pochettes nettoyées, là aussi avec une gomme, voyez, donc tout a été recyclé. Là, je vous montre que des maxi. Après, je vous les ferai écouter petit à petit. J'en ai pas mal, pas mal. Tout ça, pas mal de choses pour le moment. J'explique rien, mais vous verrez. Donc, tout ça, tout est donc recyclé, nettoyé, et donc j'ai gravé pas mal de choses déjà sur des CD que je vous ferai écouter par 10 ou 15, peut-être une quinzaine d'extraits. Ouais, parce que si je fais 2 minutes de présentation par disque, ça ferait une demi-heure sur 15 et 2 minutes d'écoute en même temps. Voilà, donc je ferai ça. Et là, je développerai, je vous expliquerai exactement ce qu'est le groupe, etc. Parce qu'on m'a reproché de ne pas être assez précis. Mais je fais des fois des vidéos sommaires. Hein. Après, on verra le détail avec vous si ça vous intéresse. Parce que moi, je vois, des fois, j'ai eu pas mal de vues, hein, à peu près 1000 vues sur l'unboxing de Rickordsell.de. Donc, avec 1000 vues, je peux me lancer dans l'écoute de ces disques donc de chez Rickenzell. Donc je vous indique le site hein, parce que j'ai eu plusieurs commandes. Excusez-moi là, voilà la caméra un petit peu ripée. Donc vous voyez Rickenzell.de. Alors vous pouvez avoir des petits ringwear, donc vous voyez des petites pochettes, mais quand vous achetez ça 5 euros, vous achetez 5 euros et puis donc groupe canadien celui-ci, puisqu'on alors vous voyez là il n'y avait pas de pochette du tout. Où elle était très abîmée, j'ai remis une pochette normale et voyez, vous avez vraiment des disques qui sont, une fois nettoyés, qui sont superbes. Voilà, qui sont vraiment superbes. Et il y a un très très bon morceau dessus que j'ai enregistré et qui s'appelle d'ailleurs Face B, donc Will You Be Mine Part 2. Donc ils ont mis la, pardon, Will You Be Mine Part 1. Et on a aussi. Et partout aussi, ils ont mis les deux titres enchaînés, vous voyez là, parce que là-dessus vous avez que quatre, vous avez quatre plages, et en fait sur la tracklist vous en avez cinq ici. Voilà. Donc vous voyez, une fois nettoyé, il n'y a pas un craquement. J'ai enregistré ça. Alors évidemment la pochette a été un peu passée, mais bon, vous comptez pas le transport, vous comptez une moyenne de 5 euros le disque. C'est des disques, faut les payer assez cher, faire venir du Canada. Ils ne seront pas forcément dans un état aussi meilleur que ça. Et puis vous allez payer ça, ça va vous revenir à 30 ou 40 euros. C'est complètement idiot. Voilà, recordsell.be. Donc je fais de la pub pour eux, puisqu'ils sont sympas. Ils sont sympas, ils m'ont fait un prix vraiment sympa. Et donc j'en ai pas mal, hein, parce qu'en tout, il y a eu plusieurs commandes. Je vais en avoir une centaine de chez eux. Et il en reste encore au moins 80. J'en ai sélectionné au moins 90. Au moins encore une centaine. Évidemment, avec ces volumes-là, ils vous font des prix défiant toute concurrence. Vraiment, c'est pour ça on ne peut pas se plaindre. Moi, j'ai pas eu un disque rayé. J'ai pas eu un craquement. Dans tout ce que j'ai enregistré, tout ce que j'ai écouté. Vraiment, c'est après nettoyage hein, avec le gel, hein, parce qu'il y en a qui étaient sales quand même, mais une fois nettoyés,
Ils sont absolument nickel. Je peux vous en remontrer. Je peux vous en remontrer un. Hop, tiens, on va prendre celui-ci, hein, puisque le Glenfray. Voilà, regardez, vous vous souvenez dans quel état il était. Vous voyez, j'ai gommé sur les pochettes toutes les. Avec la gomme, ça part très 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 bien. Hein. Faut pas utiliser le liquide. Hein. Vous gommez et vous faites un petit essai et vous voyez. Et en plus, après, donc, j'ai réutilisé la pochette d'origine et vous avez là le superbe disque. Vous voyez, pré-nettoyage avec une écoute. Et là, vous allez voir. Regardez ça. Vous voyez, après le gel. Donc, je vous avais montré déjà hein, quand. Vous voyez, donc. Et là, une fois écouté, vous n'avez plus un seul craquement. Voilà. Donc, pour une moyenne de entre 3 les moins chers, 3 euros, 7 euros les plus chers, mais des albums quand même qui sont cotés, qui sont quand même pas mal cotés ou difficilement trouvables. Donc, une moyenne de 5 euros. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Si vous promenez 50 disques, eh ben, vous multipliez. Ça vous fait 250 euros les. Non, attendez, 5, oui, qu'est-ce que je dis? Non, oui, ça va, oui, voilà, 250 euros, mais vous en avez 50. Voilà, donc c'est intéressant avec les frais de port gratuits par-dessus le marché, ce qui est très sympa. Voilà, donc je fais un peu de pub, je m'explique un peu. Alors là, j'avais fait quelque chose de sommaire, je vais faire quelque chose dans le détail. Hein. Alors, vous savez, en fin de vidéo, vous pouvez couper si vous en avez marre de m'écouter. Hein. Ça, je vous libère. Hein. Je me lâche un petit peu parce que c'est vrai que j'ai eu quand même des commentaires vraiment désobligeants de gens qui apparemment n'ont pas dû suivre mes vidéos en disant que je présentais comme ça à la chaîne sans rien connaître les disques, quoi. À l'aveuglette, quoi. Comme si c'était un bac. Un bac de disquaires de la Fnac. Bon, d'abord à la Fnac, on n'a jamais rien trouvé, si ce n'est qu'à l'époque un petit peu. Mais bon, à part des rééditions comme Fine Young Cannibal, c'est le seul disque que vous pouvez trouver à la Fnac, hein, de tous ceux que je vous ai présentés. Voilà, bon, faut pas faire attention à tout ça, mais je pense que sur la New Wave, quand même, je suis assez pointu. Évidemment, j'ai pas tous les noms des artistes, noms des groupes. Il y a 2 mois, je connaissais rien de tout ça. Donc, vous voyez, pourtant, c'était pas mal, mais quand même. Sur, mettons, 2000, je vais prendre par année, il y a à peu près 2500 références que j'ai pu isoler sur Discogs, comme ça. 250 par pays, États-Unis ou Angleterre. Donc ça doit faire 5000 références sur l'Angleterre et les États-Unis par année. 85, 84, 83, 82. Donc on a 20 000 références. Sur 20 000 références, je pense que j'ai dû trouver à peu près 600 groupes inconnus. Voilà, sur 20 000 hein, références, 600 groupes inconnus. Et j'ai donc sélectionné 600 disques. Donc ça fait à peu près un peu plus que 10% donc de ce que je connaissais pas. Par contre, tout le reste, je le connaissais. Donc ce qui prouve que c'est pas mal. Sur 20 000 références, il y en avait que 600, j'en connaissais pas. Je vous ai expliqué à peu près 100 disques confidentiels, où là. C'est des disques très chers ou qu'on ne peut pas écouter, ou une centaine. Et ensuite, sur les 500, vous avez 250, je me répète, hein, 250, c'est vraiment des choses qui ne me conviennent pas, ou voilà, qui ne convenaient pas. Ou. C'est pas tellement, hein, c'est pas tellement. Vous vous rendez compte, ça fait 10%, ça fait 500, donc 250, ça ferait 5%. Donc il y a 5% des références qui ne m'intéressent pas, et il y avait 5%. Des choses qui donc étaient intéressantes et on avait donc les 100. Les 100, ça fait donc 2%. Donc 2% pour de ce qui est confidentiel, 5% de ce qui m'intéressait pas sur les 20 000 donc, et 5% donc quand même, 5% de ce que j'ai sélectionné, c'est-à-dire à peu près 250 disques, voilà, sur 20 000. Hein. C'est ça. Ça fait un peu plus même. Sur 20 000, 10%, ça ferait 200. Donc ça fait un peu plus, ça fait 12% et demi. Voilà. Enfin voilà, à peu près. On va pas chipoter sur les pourcentages. Mais pour vous dire que quand même, j'étais assez pointu parce que tout le reste, je l'ai quand même dans la tête. Donc tout ce qui est New Wave, tout ce qui est synth pop, rock électronique, tout ça, 1982, 1985, ça peut déborder sur 86 également. Donc vous voyez, il n'y avait que 600 groupes que je ne connaissais pas, ou 600 références sur les 20 000.
sur les 20 000, donc, et j'en ai sélectionné 250. On pourra peut-être aller jusqu'à 300, on verra. 250, à peu près la moitié, presque la moitié. Donc c'était assez sympa et j'ai trouvé des choses excellentes, 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 que je vais vous montrer. Un des meilleurs, un des meilleurs, un des meilleurs. Les meilleurs, c'est ceux-là. Voilà. Hop. Celui-ci, Engine Room. Voilà, qui coûtait 2-3 euros. Avec le fameux Your kiss is a reason. Is a weapon, pardon. Your kiss is a weapon. Voilà, très bonne New Wave Electro-Disco Pop de 1985. Extraordinaire. Vous pouvez le trouver dans un état mint à 2 euros sur certains sites de Discogs. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Ce disque est excellent. Et puis alors le Binary aussi de 1985 avec The Meaning. Vraiment. Pareil, Electro Disco Pop. Fabuleux, fabuleux. Anglais, hein, New Wave anglaise. Donc des disques fabuleux. Et il y en a plein d'autres également. J'ai vraiment débordé. Je m'en excuse. Et je suis trop bavard. À bientôt pour la prochaine vidéo et bon visionnage. Et je pense que ça va être prochainement une vidéo donc d'écoute avec peut-être je vais mettre Special Radio New Wave ou Radio New Wave Spécial Radio New Wave numéro 1 parce qu'il y en aura pas mal. Évidemment, je peux risquer aussi de me faire attraper pour les droits d'auteur si je mets Radio New Wave. Je mettrai peut-être New Wave, je verrai, j'essaierai de voir ce que ça donne, mais au moins vous pourrez écouter le meilleur de toute cette sélection. Et c'est vrai que si vous suivez ma chaîne depuis le début, eh bien vous pouvez avoir un sacré niveau en musique des années 80, et surtout en ce qui concerne la New Wave, vous pouvez avoir un sacré, sacré, sacré niveau, parce que vous aurez bientôt une vision complète. Il y a peut-être des groupes, petits groupes où je ne les ai pas encore présentés, mais à la fin des fins, vous aurez une vision complète de ces années-là et ça pourra faire référence. J'estime en toute humilité que ma chaîne pourra faire référence pour un petit peu comme base de données de tous ces groupes New Wave, surtout anglo-saxons évidemment, du début des années 80. Salut, bonne soirée.